Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nou mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Yo, mais si tu veux baisser bien bas devant face venir pour implorer assistance ou dans force prière alors que nous allons commencer avec Chanel YouTube ça nous demandons un bon tour dans grâce infinie ou t'as pris pardonner péché nous remercier ou pour une bonne semaine passée sous ton regard protecteur alors que je dis en Seigneur nous avons un bel soleil nous avons bonne température nous demandons un bon tour dans grâce infinie ou on va conserver la vie dans nous merci d'être ou conserver l'être et le mouvement dans nous-mêmes, Seigneur, qui me souffle de vie dans nous-mêmes. Grand pile monde dans ce même salaire qui pas mais qui tout dit. Nous remercions infiniment d'être avec le Seigneur, nous prions comme ça avec le pardon du péché. Amen. Chers amis, frères et sœurs, les nous partager Chanel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation monde ça. Pas négliger fait ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share and subscribe notre channel Force Prière. N'après mes channel, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Mes amis, frères et sœurs, nous pouvons chanter le numéro 290 des hymnes et louanges. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mon pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, bon nom, porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, beau nom de celui Chers amis, frères et sœurs, on a continué avec événement des derniers jours. Le chapitre 14 est titulé Le grand cri. Et sous-titre, les âmes sincères n'hésiteront pas longtemps. Page 214 et 215, paragraphe 779 à 782. Un certain nombre de personnes ne voient pas maintenant la nécessité de prendre position. Mais ces choses influencent leur vie. Et lorsque le message sera annoncé avec une grande voix, elles seront prêtes à le recevoir. Elles n'hésiteront pas longtemps. Elles sortiront et prendront position. Bientôt, l'ultime épreuve surviendra pour tous les habitants de la terre. Alors, on prendra de promptes décisions. Ceux qui auront été convaincus par la présentation de la parole se rangeront sous la bannière tachée du sang du prince Emmanuel. Toute âme vraiment honnête viendra à la lumière de la vérité. La connaissance du message progressera moins par l'argumentation que par la conviction produite par l'Esprit de Dieu. Les arguments ont été présentés. La semence a été semée et maintenant, elle va lever et porter du fruit. Les publications distribuées par des missionnaires ont exercé leur influence. Cependant, de nombreux esprits favorablement impressionnés n'ont pu comprendre complètement la vérité ou se ranger à son obéissance. Maintenant, les rayons de la lumière pénètrent partout,
La vérité est connue dans toute sa clarté. Et les sincères enfants de Dieu rompent les liens qui les ont retenus. Les liens de parenté, les relations d'église ne peuvent les attacher maintenant. La vérité leur est plus précieuse que tout. Qu'importe les puissances qui se liguent contre la vérité, nombreuses sont les âmes qui se rallient au Seigneur. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 290. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, bonheur, bonheur de loin. De l'éternel, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, bonheur. Que celui dit Manuel. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible. Et je dis, nous allons lire Matthieu 27 et 28 et Marc 1er avec nos sœurs Livoncia, Louis et Elsie Oulette. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les genoux sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, mais petit, tu veux baisser bien bas devant face bénie pour implorer assistance divine dans la force prière. Alors que nous allons passer à la lecture de la Bible, nous demandons tant prie. Viens guider nous dans tout ça à faire. Fais tout ça à faire, faites pour gloire ou et pour honneur. Pardonnez péché nous du haut des cieux, remplis nous du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, vous venez de nous dans tout ça à faire dans la vie. Tout le monde qui a des forces prière, Seigneur. Nous demandons ton bon esprit pour accompagner pour qu'on comprenne parole. La parole est vraiment belle, mais si nous ne pratiquons pas comme si nous ne faisons rien. Nous demandons ton prix pour faire nous-mêmes qui nous faisons prier pratiquer. Et tout le monde qui a besoin de faire prier pratiquer parole, ça y jusqu'à ce qu'on retourne. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne avec le pardon de nos péchés. Amen. Matthieu chapitre 27. Condamnation. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Suicide de Judas. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent, le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé
qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur nous l'avait ordonné. Jésus devant Pilate, gouverneur romain. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur, sentence de mort confirmée. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je en donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Outrage des soldats. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, et il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus crucifié. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.
ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les juriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le corps de Jésus mis dans un sépulcre. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa de l'écuelle blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.
la garde auprès du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Matthieu chapitre 28. Résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent en ces doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Marc chapitre 1er. Prédication de Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe,
le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager. Qui préparera ton chemin ? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Baptême et tentation de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec tant les bêtes sauvages et les anges le servaient. Commencement du ministère de Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vocation de 4 disciples. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Jésus à Capernaum, enseignement dans la synagogue, guérison d'un démoniaque. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agissant avec violence et en poussant un grand coup. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commanda avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades. Jésus en divers lieux de la Galilée.
En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bougardes voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons, guérison de lépreux. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il lui dit, de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en étant allé, se mit à plus publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27. Jésus devant Pilate. Un grand matin, tout chef prêtre ensemble avec chef famille, qui dirige le peuple, de mettre tête ensemble sous dos Jésus. Il prend une décision pour faire tout y aller. Après, il finit marre, il mène l'aller. Il remet libre à Ponce Pilate. Gouverneur pays. Jida mourit. Jida même, l'homme qui t'a trahi Jésus, l'enloi, il t'a condamné Jésus. Remo prendre. Il pote 30 pièces l'argent, yo. Tourne by chef prêtre ensemble avec chef famille, yo. Il dit comme ça. Et ça me fait mal. C'est un innocent, on l'a gagné non. Il répond ni qui me l'est non ça. Ça c'est ça fait pas où. Il a jeté pièce l'argent yo dans temple là. Il sorti. Il allait prendre tête li. Chef prêtre ramasser l'argent. Il dit comme ça et ça c'est l'argent pas. La loi nous pas permettre nous mettre l'argent comme ça dans caisse temple. Après ça je tombe d'accord pour acheter un jardin. Non, mais un homme qui te connaît fait cruche. Il prend terre, service cimetière pour étranger qui mourent dans le pays. C'est peut-être ça. Jouk-joune aujourd'hui, il y aurait le jardin sans, jardin sans. C'est comme sa parole prophète, Jérémie te dit, arrivez vous. Il prend 30 pièces, l'argent. C'est pour ça.
mon race Israël, yo t'es d'accord payer pour lui avec l'argent. Et ouais, c'est ça des noms qui compte faire riche là. D'après l'autre bon Dieu et ben moyen. Il a questionné Jésus. Jésus paraît devant le gouverneur. Le gouverneur a questionné. Il m'a dit, et c'est où un juif? Jésus répond, et c'est où qui dit? Chef Retio et chef famille, il a déposé un pile plein contre Jésus. Jésus même, pas répondre à rien. Il a dit, on va attendre toute plainte déposée sous dos. Mais Jésus n'a pas de réponse ou rien. Ça te fait Pilate saisir en pile. Nous condamner Jésus à mort. Pour chaque fête de délivrance, gouverneur a été condamné un prisonnier. Et peuple qui te compte choisir qui laisse. Laisse ça. Et un prisonnier a été relé Jésus Barabbas. Tout le monde te connaît, qui m'a nié. Le Pilate, le peuple assemblé de Yorwa, il dit yo, et il est nous voulons la guerre. Jésus Barabbas, ou sinon Jésus, il y aurait le Christ là. Il a été bien connu, c'est jalousie qui te fait yo, mener Jésus Bali. En tant que Pilate, chita sous fauteuil juge li dans le tribunal là. Madame Nibo est dit, et non ça, il n'en s'entendait pas mêler dans les affaires ça. Parce que hier soir, moi souffri en pile pour être li nan dormi. Chef Retio ak chef famille yo, en tête peuple là pour mande Pilate pour la gè Barabbas ba yo pour faire touye Jésus. Venez après la parole, dit di yo. Et qui laisse nous déjà nous vlem la gueban nous? Ils répondent, et Barabbas, il a demandé yo, et bon, qui ça pour faire à Jésus, il y aurait le Christ là? Ils tout répondent. Et nous elles soyons quoi? Il a dit yo, et qui m'a fait ça? Il fait comme ça? Il y aurait les plus forts toujours. Et clouer sur un coin. Et puis là, ouais, il va capable faire un rien encore. Parce que le peuple qui est sorti, il te fait plus des autres toujours. Il prend de l'eau. Il avait même devant tout le monde. Il dit yo, moi-même, je ne suis pas responsable dans mon homme ça. Ça, c'est sous compte nous. Le peuple a répondu et c'est pour responsabilité là en mol tomber sous nous à sous toute petite nous yo. Après ça, il a plagué Barabbas ba yo. Il fait yo bat Jésus bien bat. Il remet yo li y a cloué le sur yon. Soldat yo passe Jésus nan bêtise. Soldat Pilate yo mene Jésus nan kay gouverneur. Yo semblé tout bataillon soldat yo fè ronn li. Yo déshabillé il. Yo mette yon gros rad couleur rouge violette sou li. Yo tressé yon couronne piquant mette nan tèt li. Yo bay yon ti bois osso embe nan men droite li. Après ça, yo mette à genou devant. Yo pa passe la bêtise. Yo di li, et bonjour, ou a chouif yo? Yo crache sou li. Yo pran ozo a, yo bal kou nan tête. Après yo fin passe en bas contre bêtise yo, yo mette go rad la, yo mette rad pal. Souli encore. Et puis, vous menez l'aller pour vous clouer le sou yon kwa. Vous clouer Jésus sou kwa. Le ou sorti,
Yo kontre yon nom peyi siren ki te rele Simon. Yo fose misye pote kwa Jezi ya. Le orive kote ki rele Golgota, ki vle di plas zo bra tep la, yo ba Jezi bra di ven mele ak fiel. Me lel goutel, pa vle bre li. Apre yo fin kloure le sou yon kwa, yo tire yo stop pou separe rad li yo. Apre sa, yo chita veye li. Yo mette yon ti pan katan de tet li pou fe konen koz ki fe yo te kondane la. Yo te kloure de ansasen sou de lot kwa an menm tan avel. Yon sou bo dwat, yon sou bo goch. Yon ki ta pase bo la, aple de jure li. Ta fè si yin sou li. Yo ta di, ou menm ki te vle krasè tanp nan, ou te rebatil nan tou anjou, sou vè tèt ou nan, ti se ou, e ou se piti bonje ya. Desan sou kwa? Sa tou, chef pret yo, direkte la loi yo, ak chef fami yo ta pase nan risib. Yo ta di, gade, y sove lot moun, y va kapab sove tet pale. Sil se wapep Israel la, te pou li desan sou kwa, kounye ya, de sa, da kwen nan li. Il te mette confiance li nan bon Dieu. Il te dit c'est petit bon Dieu lié. On nous reconnaît à si bon Dieu va venir délivrer li. Ata assassin qui te cloué sous l'autre croix, yo t'a joué le Jean tout. Jésus mouri. Venez dit comme ça, vin gen yon fin noir sous tout pays ya. Joup 3 après-midi, 23 ans, Jésus relè bien fort. Li di, Eli, Eli, lema, sa bat pale. Vle di, bon Dieu, bon Dieu, pou ki sa ou la gen kon sa? Nan moun ki te la yo, gen, itande el pale, yo di, me la brele Eli. La mem, yon nan yo kouri al pran yo eponche. Yon trempel nan vineg. Yon metel nan prent yon gol wozo. Yon lonchil bo bou Jezi bal bwe. Me, lot moun yo di, tan nou, moun chè, an wè si Eli, ap de livre li. Jezi ba yon gourel ankor, epi li mouri. Mem le a, rido ki te nan tanp lan, tire an de nou sou. Depi an wou chou kamba, e a tremble, pou chou fan. An moyo louvri, an pi moun, pe bon di a, ki te mouri le vivan ankor, yo soti nan tanp yo. Après Jésus les mêmes de lever sorti vivant dans la mort. Il rentre la ville de Jérusalem côté en pile monde de ouais yo. Les officiers la mêlent ensemble. À garde qui t'a vu Jésus ensemble avec yo ou ouais tremblement de terre à tout ça qui t'est passé sur celle la paix prend yo. Yo dit c'était vrai. Nom ça des petits bonchi. Il y a plusieurs femmes là tout, mais ils ont été loin à regarder. C'est moi qui t'a sur Jésus. Et t'as occupé et puis l'elle était dans le pays Galilée. Non, ils ont été Marie, mon ami Magdala, Marie, maman Jacques et Joseph, ensemble avec maman petite Zébédé. Ils ont enterré Jésus. Les soleils finissent coucher. Un homme riche moun la ville Arimaté fin rive. Yo te rele Joseph. Et même tout li te yon disciple Jésus. La jwenn Pilate. Il m'a dit le ko Jésus a.
Il a bail l'ordre pour remettre le corps. Joseph prend le corps, développé dans une pelle de vin blanc tout neuf. Après ça, il met le corps dans un caveau. Il était fait fouiller dans la roche pour tête pâle. Après ça, il roulait une roche devant bouche caveau. Et puis, il allait faire route. Marie, mon lavé dans la ensemble avec Marie, a te chita là, en face kavoua. Fifio, mette gade veye kavoua. Nan demi, ça veut dire, joué pour moi même. Chef prêtre, ensemble avec pharisien, yo, allez bon côté Pilat, yo dit li, et chef, nous songez, le nom qui t'a bay menti, ya, te vivant, il te dit, après 3 jours, il peut lever sorti vivant. By Lord, pour y veiller, kavoua, bien veiller, pendant 3 jours. Comme ça, disciple yo, pas capable, vin, prankoua, pour y di, peuple là, après sa mystique, le fait sortir vivant dans la mort. Seigneur, kou, mati sa, api red, passe pour y a. Il a dit yo, mais où est-ce quoi, garde, allez. Ve kavoua, Jean Nouvel. Y aller, le pi assire kavoua, te bien fermé, le pose scellé sous roche, qui te devant bouche kavoua. Puis vous mettez, escouade, garde la, veille. Matthieu, chapitre 28. Jésus ressuscité. Le jour est pour un, te fin passé. Dimanche matin, bien bonheur, Marie, on a vu Magdala, avec l'autre Maria, qui a visité Kavoua. Il était comme ça, et puis terre a pris un tremblement bien fort. Et un ange, mon Dieu, descend sorti dans le ciel là. Il vient, il roule au roche là, sous côté. Il a fini, il s'est assoulé. Il éclairait ton cou, il s'éclaire. Radité blanc, coule la neige. Quand Dieu te si tellement peur, pour prendre trembler, pour tomber à tête à coup monde qui mourit. Mais, les anges ne vont pas aller. Ils disent, famille, et nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de paix. Mais quand on essaie Jésus de chercher, nous avons été cloués sous quoi? Eh bien, il n'est pas ici, là. Il est vivant, je l'ai dit, là. Venez où est-ce qu'il était couché, là. Après ça, pressé en dix disciples, yo, te fait sortir vivant dans la mort. Digue t'en prend devant yo, aller dans le pays Galilée. Et là, y a wèli. C'est ça, m'dégué, pour m'dire, non? Faut mieux courir qui te kavoua, yo te paix. Mais en même temps, tout, yo te content. Yo t'a courir pour te nous faire là, bay disciples, yo. Il aurait été comme ça, il aurait Jésus paraît devant eux. Il dit, bonjour, mesdames. Je vous suis bon côté. Il y a mes pieds pour adorer lui. Jésus dit, on n'a pas besoin de paix. Allez, dit frère, mieux, pour y aller dans Galilée. C'est là, il y a moi. Rapport, garde, yo. Madame mesdames, yo, t'es dans route toujours. Nan gan qui t'a veillé kavoua, et gagné qui t'a gagné tant tourné la ville là. Raconte chef prêtre tout ça qui t'est arrivé. Laisse ça, chef prêtre réunir. Chef famille, yo, yo, peuple. Yo, ta. Laisse ça, chef prêtre réunir avec chef famille, yo, yo, fait plan, yo, ensemble. Yo bay soldat yo, yo go l'argent. Et puis yo di yo, c'est pour nous dire ces disciples yo qui te vin volo kowa, ou te allé nan nuit, en temps nous t'ap dormi. Si parole la tombe nan zore tenea, nan konne ki jan pou nou parle avèl, pou nou mèm. Gad yo. Yo ba, yo ba nan traka. Soldat yo pran l'argent, yo fè chan, yo te di yo fè la.
C'est comme ça. Pas grand ça. Gâte. Fou chou, je ne veux dire. Jésus fait 11 disciples. Well. 11 disciples allaient sous le pays galiléen. Pour que Jésus te dit, allez. Les well, tu adores lui. Mais, te gè nan yo ki pas fin kwen net. Jezi proche bon kote yo. Li di yo kon sa, mwen resevwa tout pouvoi nan siel la ak sou tè ya. Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon. Batize yo nan nou papa, pitip la ak set espise ya. Moudre yo pou yo observe tout sa. Mwen te ban nou lòt fè. Chanje sa byen. Mwen la avèk nou pou lè chou jouk sa kaba. Amen. Lik Mok. Mok chapit e. Mwen blan liv la mwen koman te komanse. Jean-Baptiste a preche. Et commencement bonne nouvelle qui parlait sous Jésus-Christ, petit bon Dieu. Dans le prophète Esaïe, mais ça qui était écrit. Où Dieu dit, mais m'a envoyé mes messagers non devant vous. Là où vous chemin pour vous. C'est voir un homme qui a brûlé dans le désert. Parle grand au Seigneur noir. Plani chemin, bien plani pour lui. C'est comme ça, j'en t'ai paré dans le désert, et t'as baptisé. Et t'as marché par mes sailles, ça. Et tourné, viens jouer un bon Dieu. Viens recevoir baptême. Et puis bon Dieu va pardonner péché, nous, yo. Tout le monde a péché, ensemble avec tout le peuple de la ville de Jérusalem, non? Et viens, joignez-nous. Yo te confesse péché yo devant tout le monde. Et puis j'ai été baptisé yo dans la rivière Jourdain. Jean te mette yon rad poil chameau sou li. Yo senti yon an pou mare nan reli. Se kriket ak gato miel. Li te jwen nan bois, li te manje. Li te manje ba mesaj sa. Et mon tap fini après nan gen plis pouvoir en pile passé. C'est pas bon assez pour m'ta baisser démarrer sa pap qui nan pied li. Moi même, li baptisé nous nan de l'eau. Mais li même t'a baptisé nous en Saint-Esprit. Baptême à tentation Jésus. Mais l'époque ça, Jésus t'est sorti Nazareth. Yon bouk nan peyi Galilée. Lesan, jate baptisé nan la rivière Jourdain. Anto Jezi ta sorti nan dloa, pi wè siel la louvri. Et puis l'esprit bon Dieu descend sou li en forme yon pichon. Et donne yon voix ki sorti nan siel la ki di, et ou se petit mwen remè en pile la. Ou fè kèm content en pile. Tout suite, après ça, l'esprit bon Dieu pour ce Jésus à dans désert. Il était là pendant 40 jours. Et puis c'est là Satan vient tenter. Jésus t'a vivre dans mi-temps bête bois yo. Et puis ange bon Dieu a occupé lui. Jésus relé et chien poisson suivre. Après où t'es filmé tes gens dans prison? Jésus allé dans pays Galilée pour te faire connaître nouvelle bon Dieu voyé. Il a dit au comme ça un jour arrivé on y a. Bon Dieu qui est dans ciel là a venir prendre pouvoir dans mené. On est venu joindre bon Dieu. Accepter bonne nouvelle là. Pendant Jésus t'a marché bon en Galilée, il ouais des pêcheurs poissons. Simon ak André pou li a pou ta voye privye nan la mer. Jezi di yo kon sa e vin jwenn mwen. Ma fè nou tounen pichè moun bitou. La men pou ki te privye yo
y aller avec lui. Et si vous pensez plus loin, dit ouais, des petits garçons ZBD yo. Chaque agent quelli. Je te cite un canon Joan, tu as préparé pour vieux yo. Là même, j'ai relé yo. Yo quitté ZBD papa yo. Un canon là ensemble à couvrir yo. Y aller avec Jésus. Soit un homme qui te gagne mauvais l'esprit sous l'IA. Après ça, Jésus allait avec disciples dans la ville de Rélé Capernaum. Jour et pour Jésus entre dans la synagogue là. Il commence à montrer mon yo en ville bagaille. Il te saisit tendé, ça t'a montré yo. C'est pas même Jean avec directeur la loi yo. Parce que il était pas accueilli autant que yo monde qui autorisé. Mais ça, un homme qui te gagne du mauvais esprit sous lui, vient entrer dans la synagogue là, il prend relé. Hey, Jésus, mon Nazareth, qui ça nous gagne avec vous? Vous venez ici là pour détruire nous? Un coup de bien propre qui m'a noyé. Vous savez, mon bon Dieu choisi. Ya. Jésus parle bien fort à mauvais esprit qui était son homme là. Il dit lui, et Pela, sorti son homme ça. Mauvais esprit, hein? Souke, nom nan, bien souke. Il ba yon gros rel. Et puis il sorti. L'allé. Moun yo te si tellement saisi. Yon ta pwande l'autre. Ah, ça y est là, même. Ça sont l'autre bagay. La montre nous là. Même mauvais esprit yo. Il passe au Lord à autorité, il obéit lui. Et tout le monde qui t'a nommé non dans le pays Galiléa, Jésus guérit un peu de monde malade. Après ça, ils ont quitté la synagogue là. Ils allaient ensemble à chaque action, la caille Simon, à André. Pendant Simon, tu es couché avec la fièvre. Rivé Jésus, rivé la caille là. Yo dit ça. Laisse ça, il proche bon madame nan, il prend elle. Il fait lever. La tout, la fièvre la quitte elle. Et madame nan recevoir yo. À souhait, après soleil fin couché, yo mené tout le monde malade yo ensemble avec tout ça qui te gen mauvais l'esprit sou yo, ba Jésus. Tout la ville là te semblé devant porte caille là. Les saints, Jésus te guéri un peu le monde qui était souffri diverses maladies, il était chassé un peu le mauvais esprit. Mais il n'a pas quitté le mauvais esprit au parler. Parce que tout est connu qui monde il était. Jésus a baillé mes là dans le pays. Le grand matin, bien bonheur, il va donc faire clair. Jésus levé. Il sorti, il quitte la ville là. Là, il y a un côté qui n'a pas de monde. Là, il tape la prière. Simon et l'autre ami, il y a sorti. Il a cherché Jésus. Là, il y a un jour, il a dit comme ça. Et tout le monde a cherché, oui. Mais il répond, il y a un autre côté. L'autre côté. Dans l'autre bouc, il y a un voisinage là. Pour faire yo connait mes ça là tout et pour ça même moi venu c'est comme ça il était allé tout partout dans pays Galilée il t'a marché by mes ça là dans synagogue yo il t'a chassé mauvais esprit yo Jésus guérit un homme qui te gagne la lèpre un homme qui te gagne la lèpre vient joindre Jésus et tombé à genoux devant lui et m'a dit le secours il dit comme ça. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas guérir moi. Jésus fait mal. Il a gémé, il m'a énoncé. Il dit lui, ah oui, je voulais vous guérir. Même Léa, dans les plats qui t'aiment, il guérit. Il était en condition pour faire service bon Dieu. Après ça, Jésus voyait l'aller.
il passe l'ordre bien sévère. Il dit ça et il ne parle ça à personne. Mais en fait, prêtre là, ouais, j'en oui. Après ça, on offre ça à Moïse et by Lord pour offrir. Pour ça, on va tout le monde preuve pour guérir. Mais, on n'a pas dit, il prend marché faire qu'on est là partout. Et si tu as une nouvelle là, il n'est pas capable d'entrer encore où, dans aucune la ville pour le monde pas où elle est. Il était plutôt resté en dehors. Et il n'y a pas de monde. Mais, mon texte tout partout, venez-vous. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière. Mais avant de faire ça, la chanter, viens mon âme. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. 3 minutes, Livon. Abba, nous qui avons le ciel, là, merci pour tout ce que tout ce continuer faire pour nous, pas. Merci, oui. Merci pour la vie, oui, ou conserver dans nous-mêmes. Merci, oui, pas. Merci de ce que vous aidez nous trouver nous dans le pio, oui. Merci, oui, pour lecture, ça nous saute faire. Merci, oui, de ce que c'est mon temps pour nous, Seigneur, que vous employez ou embauchez. En l'œuvre, Seigneur, dans la chambre pour nous travailler pour vous. Nous disons merci, oui, avec tout cœur, nous, toute âme, nous, toute force, nous, tout courage, nous, papa. Nous disons merci pour force prière. Nous disons merci pour tout le monde qui a écouté, tout le monde qui peut écouter. Force prière, dans le futur, dans le Seigneur. On va bénir nous de toutes sortes de bénédictions. On va ouvrir entendement, nous, compréhension, nous. Va nous savoir, Seigneur, afin que vous nous capables de comprendre parole, ou pour aider nous mettre en application dans la vie quotidienne, non, papa. Tant prie de grâce, nous supplions. Et nous voulons nous pardon pour ça nous faire devant qui pas bon. Parce que c'est vous seul qui connaît à nous, nous pas péché contre l'autre monde, mais c'est contre vous-même nous péché. Lavez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous. Retirez de nous ça qui n'est pas bon à nous-mêmes. Fait que volonté, capable d'accomplir dans la vie, nous selon ta sainte bonne volonté et ton bon désir. Avec nous, aidez-nous, guidez-nous, dirigez-nous et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Et remplis-nous avec la joie. Un cœur content, rempli cœur nous avec la paix divine, nous chasser tout stress, anxiété, dépression, découragement, désespoir qui veut envahir nous, disparaître pour nous, Seigneur, mais nous la paix divine. Tant pis, s'il vous plaît, aidez pour nous, nous capables toujours, constamment, converger vers vous-même et vous-même seulement, parce que c'est la délivrance qui m'a sorti. Nous demandons d'abord un attouchement spécial pour que les gens qui avec un. On tous en de temps en temps, n'a pas de pour toucher lui, parce que t'es pour toucher lui, Seigneur, ou à mettre la façon que vous-même ouvrez. Et nous toujours disons merci pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on continue à faire pour nous, et nous très reconnaissance envers vous-même, et nous apprécions tout ce qu'on fait pour nous, que nous connaissons, nous pas connaissons. Avec nous, Seigneur, tant de cris, nous pardonnez-nous pour pécher nous encore une autre fois, pour entrer en jugement ensemble avec nous, si vous entrez en jugement ensemble avec nous, nous déjà condamnés. Et merci d'être content de cris, nous exaucer nos dieux d'estuer avec le pardon de nos péchés. Jésus, nous prions, lui qui vit, qui est au siècle, les siècles. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse vivre sa passion, que nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle. Une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour force prière, victoire à la délivrance en sous toute force ténèbres en sous pour pays terre d'Haïti et victoire pour chaque monde. Yeah, amen. Amen, amen. Amen. Zanmi myo, frèksè myo, peuple qui a préparé pour ciel là, compatriotes haïtiens nous. Merci infiniment parce que nous te prenons temps pour prier et lire la Bible nous avec Chanel YouTube Force Prier. Pas oublier, prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force, prier, approchez-nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prier n'a pas accompli tout ça. Zanmi myo, frères haïtiens compatriotes nous, nous prenons aller
Mais n'ap kite nou sou attention, affection, direction et protection. Papa nou ki nan ciel la, le tout puissant ki pap jam liye nou. Sou sa, zanmi myo, frèm sèm yo, n'ap di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.